t'avais pris que ça? Bah oui, pourquoi? Suffit juste d'être organisé, hein. T'inquiète pas, je vais pas te piquer ta brosse à dents. Ça va, mamie? Ah, je vous attendais, vous avez fait bonne route? Comme sur des roulettes. Vos affaires dans la chambre. Je vous prépare à manger pour ce soir. Ça sent bon. Montre les affaires et que ça saute. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en... Il est à la cave. Mamie, tu pourras me donner ta recette? Tu crois vraiment que tu feras un plat aussi bon? Sérieusement? Non, mais toi, je t'ai rien demandé. Essayez de vous entendre un peu. Attendez, je dois vous montrer un truc à la cave. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? J'étais en train de déplacer des affaires pour ouvrir le frigo et j'ai trouvé ça. C'est pas possible que ce soit vrai. Pourtant si, il était caché dans le journal. Ça concerne un meurtre à la mine de Loire. C'est une certaine mademoiselle Dorlitz, âgée d'une vingtaine d'années. Elle a été retrouvée morte par balle à l'extérieur, à proximité de la mine. L'arme du crime n'a pas été retrouvée. La police n'a trouvé aucun suspect. Et c'est daté de 1972. Vous pensez qu'il faudrait en parler à mamie? Non, faudra pas inquiéter. On va vérifier, c'est pas de mal. Tu peux me rappeler le nom, s'il te plaît? Alors, c'est Dorlitz, D-O-R-L-I-T-Z. Ah, Marvin, viens m'aider, il y a un putain de journaux là-bas. Ça va nous aider pour représenter la mine. On va renommer les pièces. J'ai trouvé des articles avec des photos concernant la mine et ses employés. Moi, sur internet, j'ai trouvé la fiche des employés et c'est public depuis que ça a fermé en 1973. J'ai trouvé quatre proches de mademoiselle Dorlitz. Alain Dubois était le directeur de la mine. Il a eu deux fils. L'aîné, c'est Henri Dubois. D'après les archives, il y travaillait en tant qu'agent de sécurité de la mine. Son deuxième fils s'appelle François Dubois. Alors lui, c'est l'ingénieur et l'héritier de la mine. C'est bizarre que le fils cadet soit l'héritier. C'est Marie Dorlitz. C'était la femme de ménage et la fiancée de François, mais aussi la victime du meurtre. Y a un problème là. Quoi? Pourquoi mamie se trouve dans les archives? Je sais qu'elle y est travaillée en tant que secrétaire. Qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je suis venu voir ma chérie. Comment tu vas? Ça irait mieux si tu passais me voir ce soir. Tu sais très bien qu'avec cette histoire d'héritage, c'est compliqué. Je sais. François, viens me voir. Bon, on en reparlera. François Suimour, tu sais, tu es intelligent, tu as des grandes compétences et je ne veux que ton bien. Oui. Cette union avec Marie n'est pas possible.
Je préférais que tu épouses Sylvie, la fille de notre principal concurrent. À deux, vous serez les héritiers de la plus grande compagnie minière. J'aimerais tellement, mais choisis Henri comme héritier. C'est lui qui doit diriger la famille. C'est l'aîné, pas moi. Il n'est pas assez habile pour ce poste. Tu es rempli de compétences. J'ai besoin de toi et j'ai confiance en toi. J'apprécie ce que tu penses de moi. Mais je sais pas. J'aime Marie. Oui, mais il faut qu'elle parte. Si tu veux t'en devenir l'héritier. Si elle doit partir, je partirai aussi. Bon, on a quoi pour l'instant? Bon, avec nos recherches, on sait que le meurtre a eu lieu à l'arrière de la mine. En octobre 1972. Le principal suspect, c'est Alain. Il y a un truc qui coule pas. Mais c'est Alain à l'ouverture de la cité radieuse à Marseille? Mais regardez, c'est daté du 14 octobre 1972, le jour de l'inauguration. Mais du coup, c'est dire... Encore toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis censée voir François. Il faut que tu te fasses à l'idée qu'il ne t'aime pas, hein. Câlin? Tu penses vraiment qu'il se mettrait avec une fille comme toi? François? Une garce? Et Henri? Pff, pars d'ici, pars. Mais donc, mamie, était la seule avec Marie ce jour-là dans la mine?